sommes sur la place du Parchy à Saint-Martin-Plage, où une foire à tout était organisée par l'association Balade en Balade. Environ une trentaine d'exposants avaient donc déballé leurs objets ce dimanche. Accessoires de jardin, vieux disques, vêtements, il y en avait pour tous les goûts et les budgets. Ça fait la quatrième année que nous faisons la brocante. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un temps formidable. Et nous sommes une trentaine d'exposants. Les gens sont ravis. Nous avons sorti des sandwichs. L'association est une association active du bord de mer. Là, comme aujourd'hui, vous voyez, on fait la petite brocante qui amène un petit plus justement pour les achats de tout ce qui va être nautique, canoë, et des planches de surf. Alors les échanges vont bon train. On négocie, on farfouille, en bref, on cherche la perle rare, comme cette cliente qui semble avoir jeté son dévolu sur un très estival pantalon vert. Vous faites souvent les brocantes ? Bon, un petit peu quand même. Hein. Pourquoi vous aimez bien ? Bon, parce qu'il y a des affaires qui sont pas très chères. Pour les enfants, c'est très bien. Hein. Vous avez trouvé votre bonheur ? Eh oui. Qu'est-ce que vous avez pris alors ? Un petit plateau. Je viens vendre les habits de mon petit dernier parce que on en met pas mal et puis là tout est trop petit pour lui, alors on vide un peu les placards. Vous avez bien vendu aujourd'hui ? Pas terrible, non, ça marche pas très fort les vêtements enfants. Je pensais que ça allait marcher, mais non. Bon, la journée n'est pas terminée, j'espère que... J'espère aussi un peu pouvoir vendre un peu et puis vider un peu les placards de la maison parce que ça, à force d'étaler, il n'y a plus de place nulle part. Alors moi, j'en fais une toutes les 36 du mois, c'est parce que c'est mes beaux-parents qui les font tout le temps. Et aujourd'hui, j'avais décidé, comme j'habite juste derrière la rue, je dis allez hop, pourquoi pas faire la brocante. Et c'est des affaires que vous voulez plus, c'est ça ? Oui, moi c'est plus mes enfants qui grandissent tous les ans. Et puis moi, mes beaux-parents, c'est plus des verres, des choses comme ça. Alors vous faites souvent des brocantes comme ça ? L'été, plutôt l'été je fais moi, les brocantes. Pourquoi vous faites ça en fait ? J'ai besoin d'argent. Des vêtements. Voilà, des vêtements qui nous vont plus à moi, mes sœurs, mes frères. Donc comment ça s'est passé aujourd'hui la... Ce matin, pas très bien. Pas très bien, pluie, froid, vent. Et puis ça s'est levé sur le coup de midi. D'accord, vous avez eu du monde quand même ? Pas trop, mais on sent que les gens ont envie de sortir là, c'est bon. Ça commence à bouger un peu, ouais. Voilà. Donc c'est en musique, il y a une bonne ambiance. Oui, il y a une bonne ambiance, on va pas tarder à danser, là c'est pas mal. Ouais. Un autre stand avait profité d'un rayon de soleil chassant la pluie matinale pour s'installer au milieu du bric-à-brac pour le plus grand bonheur des enfants. Eh bien moi je vends des glaces, je suis une vendeuse de glaces. Le fait que je suis une retraitée qui travaille pour améliorer son sort et je travaille le samedi et le dimanche. D'accord. Et vous avez eu beaucoup de clients ? Pas du tout. Pourquoi ? Parce qu'il ne fait pas assez chaud et puis que c'est les rameaux. Et au moment des rameaux, les gens vont à la messe, au cimetière et c'est toujours comme ça. Peut-être avec le soleil là, qui arrive ? Oui, à partir de 4 heures par là, il y aura un petit peu plus de monde. Le temps très capricieux de ce dimanche de rameaux n'a apparemment pas plu aux visiteurs qui n'ont fait qu'une timide apparition au premier rayon du soleil vers 16h. Mais ceci n'a en rien entaché la bonne humeur des participants. Qu'en pensez-vous, Régis ? Par rapport à la date, je pense que les rameaux sont un petit peu là-dessus. Le temps ce matin, c'est vrai que le temps ce matin n'était pas favorable. Mais nous avons tenu. En fait, on a dit on reste tous et on verra. Et en fait, cet après-midi, nous avons un temps splendide. Donc là, les gens vont arriver. Un petit plus pour nous, pour l'association. On remercie beaucoup la mairie de nous avoir apporté les toilettes mobiles, l'appui au niveau de la sécurité des rues. On vous attend tous pour les marchés nocturnes.
qui commenceront le dernier week-end de juin jusqu'au dernier week-end d'août, place du Parchy évidemment à Saint-Martin-Plage. On vous attend nombreux. Comme vous le savez, c'est une ambiance conviviale. Le message est donc bien passé. Ils vous attendent nombreux lors des marchés nocturnes, toujours sur la place du Parchy, à Saint-Martin-Campagne bien sûr.